Salut les copains, aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire de lapin de Pâques. Une histoire qui va vous inspirer dans cette période de Pâques, je l'espère. Le lapin de Pâques. Il était une fois, dans un jardin, un monsieur lapin qui était très malin, mais aussi très coquin. Chaque jour de l'année, il prévoit du printemps jusqu'en hiver, en passant par l'été, enfermé dans son immense et joli terrier, de gentilles farces pour les enfants sages. Quelles palpitantes occupations de jouer des tours avec passion! Ce coquin de Monsieur Lapin en rit bien fort de vous imaginer faire tous ces efforts. Madame la poule se dépêche, car milliers d'œufs en chocolat et colorés doivent être pondus à très vive allure. Enfin, les préparations terminées, le jour de Pâques peut arriver et les joyeuses festivités vont commencer. Mais Monsieur Lapin, qui aime jouer, a tout prévu avec Madame la Cloche pour tout cacher. Bonbons et chocolat dans le grand jardin de Monsieur Lapin. Attention les enfants, attention les parents, vite, vite, cachez-vous. Bouchez-vous les oreilles. N'entendez-vous donc pas les sons de la cloche de Pâques qui vient tout droit de Rome? Les enfants crient d'excitation, les parents rient de cette agitation, tandis que tous, le sourire aux lèvres, le cœur battant, se cachent comme de petits lièvres. Elle arrive, tout doucement, dans tous les jardins, sur tous les balcons, dans toutes les maisons, pour distribuer de jolies surprises. Mais voilà que Monsieur Lapin, ce petit coquin, a traversé tous les jardins. Mais où sont les surprises? Qu'as-tu encore fait, Monsieur Lapin, comme sottise? Eh ben, maintenant, c'est à vous de deviner et de chercher. Et voilà, c'était l'histoire qui s'appelle Le Lapin de Pâques, écrite par Cécile Lamarre et illustrée par Clémentine Pernet. Alors, c'est un peu particulier cette année, hein, en 2020 à Pâques. Mais t'as entendu? On n'a même pas entendu de cloche depuis déjà jeudi soir. Et tu vas écouter, peut-être que dimanche ça commencera de nouveau à sonner quand elles reviendront de Rome, comme on le dit. Alors, si tu veux, n'hésite pas à m'envoyer des dessins de cloches, des dessins de lapins, des dessins d'œufs tout colorés, tout jolis. Et moi, je les partagerai sur la page. Et je te dis à bientôt !